Allez, bonjour, bonjour, chers amis. On est super content de vous retrouver. C'est la route des étalons 2022. Après un an d'abstinence, enfin, on peut revenir avec vous en Normandie, faire la différente tournée des haras qui stationnent des étalons pour la saison de monte. Et on perd pas de temps, on commence tout de suite avec le haras de Bouquetot, ici à Clarbec, l'entité d'élevage d'Alchaka Racing, qui va nous présenter ici l'une de ses nouvelles têtes d'affiche. Et c'est même le débutant cette année, c'est Armor. Armor qui était l'un des meilleurs 2 ans de sa génération en Angleterre, magnifique cheval de course qui était entraîné par Richard Hannon. Et on va demander un petit mot à Amélie Lemercier, justement, qui est responsable des nominations ici à Alchaka. Alors Amélie, tout d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la carrière sportive d'Armor? Armor a gagné un groupe à Goodwood et ensuite il s'est classé 4e du Morny et 3e des Middle Park. Donc c'est un cheval qui avait vraiment beaucoup de vitesse, beaucoup de précocité. C'est comme ça que le définit son entraîneur Richard Hannon. Il a adoré ça très tôt, il s'est mis dans le bain très tôt et voilà. C'est un cheval, on se rappelle surtout de sa pointe de vitesse destructrice dans les mollets comme Stakes à Goodwood justement. Et il, en plus de ses performances, il a pour lui d'être une certaine particularité puisque c'est un fils de No Name Never et fait assez rare, c'est le seul fils de No Name Never à faire la monte en France. Tout à fait, ouais, c'est une chance, No Name Never fait la monte pour 125 000 en Irlande. Donc pour les éleveurs français, c'est quand même un super courant de sang. Donc on va voir si ça peut être aussi efficace en France et on est très content de l'avoir. Et voilà, sur le point de vue génétique, c'est un vrai apport pour le marché français, donc on est très content. Il est vraiment taillé en cheval vraiment précoce. Qu'est-ce qui serait idéal pour ce cheval? Quel serait le type de jument idéal pour lui pour démarrer? Bon, faut lui mettre des juments avec du rayon, avec un peu de taille. Voilà, c'est un cheval qui est très correct, qui se déplace très bien. Pour l'instant, on verra avec les premiers poulains l'année prochaine, mais des juments ouais, avec de la taille, du rayon, ce sera pas mal. Et on peut rappeler à combien il va débuter cette saison, sa première année de monte? 5000 euros. 5000 euros hors taxe pour l'invivant la CI, bien sûr, pour Armor, qui fait donc ses grands débuts cette année au Haras de Bouquetot.